This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. C'est dangereux. Ouais, c'est ça. Oh, dangereux, non, là, j'ai de la marge. Il s'est jamais. Il s'est jamais. Non, non. Alors. Bébé, c'est encore Noël. C'est pas terminé Noël. C'est pas terminé Noël. Mais c'est pas pour toi, hein. T'as déjà eu ton cadeau, toi? Allez, bouge. Bouge de là. Gros tas. Gros tas. Tu m'aides à l'ouvrir? Allez. Allez, dégage. Ouh là là. Merde. Ouh là 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 là. Lui, c'est une cabane. C'est pas grave, tu vas jouer avec le carton, hein. J'ai l'impression d'avoir 5 ans. Merde, ça s'ouvre comment? Ça s'ouvre... Ah. Ok. Il va manquer un petit truc à mettre ici. Un trépied. Je crois que c'est vendu sans. I think. Ou alors j'ai mal ouvert encore. Ah non. Non, non, non. Where are you? Je ne t'ai pas trouvé. En vrai, j'ai une grosse tête et du coup, je suis obligée de la tenir pour qu'elle tienne sur ma tête. Hashtag grosse tête team. J'arrête. Tu fais quoi? Hein? T'es en train de creuser là. Tu palpes? Alors que moi j'aimerais juste déjeuner. Il n'y a jamais personne qui vient toquer chez moi et là on vient de toquer genre comme une brute. Je suis choquée. Ça pour me dire qu'on me donne un colis. Donc ok, mais la prochaine fois juste m'agresse pas comme ça. Au moins il me l'a apporté à ma porte, ce qui est très rare. Voilà, c'est tout. Bonne journée. C'est abusé, genre j'ai le cœur qui bat hyper vite et tout. Hein. Bon, du coup, on est sur un round de tout. J'ai cru qu'il manquait quelque chose, mais en fait, non, il y a tout. Et même, c'est encore mieux. Parce que là, genre dans les access, il y a carrément un support pour le téléphone. Enfin, il y a des caches, il y a une petite télécommande. Genre pour actionner l'appareil photo à distance. Enfin, c'est top. Franchement, c'est hyper, hyper, hyper top. Donc, merci pour ce cadeau de Noël. C'est une tuerie. Genre, ça peut aller vraiment haut en intensité. Je suis trop contente. Mon chat, lui, tant qu'il y a des cartons, il est heureux de façon. Ce chat, il lui en faut peu. Il est comme sa maîtresse. C'est un simpliste. Ah mon bébé! Hé, ta tête! Alors, quel est ton mot préféré? Pute. Pourquoi? Parce que, en fait, je me suis rendu compte qu'il faut le redéfinir. Parce qu'en fait, c'est con qu'il soit féminin. Parce que les plus grosses putes que j'ai rencontrées, c'est des hommes. Avant, j'avais pas de sourcils. Grâce au matin, j'ai de nouveaux sourcils.
Les gens sur le parking. Genre une dame, elle était perdue. On aurait dit qu'elle était dans un labyrinthe. Et elle me dit, j'ai perdu ma voiture. Non, non. Je dis, bah, dites-moi, c'est quoi? Je vais vous aider. Un Nissan Qashqai. Je dis, ok, bah, je vais regarder. Et là, dans ce coin, elle me dit, ah non, mais en fait, je la trouve pas parce que j'ai changé de voiture. J'ai pris celle de mon mari. Je dis, ah, ok, bon, bah, bon courage. Et j'avais trop envie de les sortir. Oh, problème de riche. C'est une vidéo de YouTubeuse. J'ai pas le cul mouillé là. Non. C'est une vidéo de YouTubeuse où en fait elle est en couple. Tu sais, les YouTubeuses sont en couple, alors c'est leur mec qui les aide à filmer et tout. Et du coup, en fait, toute la vidéo elle tourne autour du fait que. Bah, du quotidien de leur mec, quoi, en gros. Ce qu'ils vivent. Putain, la vie de merde, quoi. Bah ouais, mais c'est quand ils vont au resto. Attends, je prends une photo pour l'Instagram. Par contre, toi, je suis dans la vue, hein. Pourquoi? Toi, tu faisais reporter. Moi, je pense que j'aurais des voix quand même chez moi. Un jour peut-être. Mais reviens. Hein. Je me suis fait une vidéo qui se passe ici. Vraiment, oui. Ah ouais? Ouais, je me suis fait. Peut-être que c'est là qu'il va se faire avant. Non, pas du tout. Genre, je serais comme Rain, Queen Mary Stuart. Genre, comment tu fais? Trop semblant, quoi. Elle sait qu'elle est un peu morte en couche, en plus. La meuf, elle veut... Non, mais en fait, c'est ça, en fait. Elle veut vraiment pas enfanter, quoi. Enfin, genre, non, j'aimerais vraiment avoir une vie de désarroi. C'est exprès, regarde. Deux. Bonjour. Ils appellent ça la roselière. Elle m'a regardé, elle m'a souri, après elle a dit bonjour. Non, non, elle a dit bonjour à moi. Ah, mais je vais imiter sa mère. Cher grand-mère va payer, si on s'y met ensemble, c'est du tout cuit. On sera riche, on sera riche, on sera loin, on sera loin. Et Saint-Pétersbourg aura de quoi jaser sans peur. Qu'est-ce qu'on chuchote à Saint-Pétersbourg? Qu'est-ce qu'on dit? Quelle est la rumeur des jours? C'est l'heure du massage, il est un peu tard, mais en fait j'ai un patient de dernière minute, donc je vais vous le présenter. C'est un homme, donc c'est assez bizarre, non, je fais ça qu'à des femmes. Je vous laisse vous installer, monsieur. Oui? Vous restez installé? Tu fais de 2 heures à table de massage? Oui? Attention, hein. Si tu casses la machine, je te casse la tête, hein. Tu sais qu'il y a plus confortable dans la maison. T'as un canapé, t'as un lit, t'as même un petit panier avec un matelas. Mais toi, c'est ici que tu veux te mettre, c'est ça? Quel amour. C'est normal que plus le temps passe et plus je l'aime, ce chat. Dites-moi si c'est normal. Parce que j'ai jamais autant aimé une boule de poils. Pourtant, j'en ai eu des boules de poils, oui. Je l'ai laissé dormir, mais qu'est-ce qui me fait rire. Franchement, un chat, autant des fois j'aimerais tellement qu'il soit un peu plus... on va dire avec le temps, j'aimerais qu'il soit un peu plus affectueux. Mais vu que je l'ai pas élevé comme ça, genre
Je l'ai vraiment élevé en mode, écoute, fais ta vie, viens me faire des câlins de temps en temps, mais fais ta vie, quoi, sois indépendant. Que du coup, il est pas trop affectueux, bien que des fois, il vient se coller contre moi pour dormir, tout ça, machin. Mais toujours... En fait, c'est toujours au moment où je m'y attends le moins. Genre là, je sortais des toilettes, d'un coup, je tourne la tête et je vois juste sa petite tête, genre, posée sur la table, genre en mode... I don't care. I do what I want. Je sais pas, il me fait trop rire. Il fait toujours des trucs genre improbables. C'est vraiment top. Alors qu'un chien, c'est pas pareil. Mais j'aime bien les chiens quand même. Bref, on s'en bat les couilles. Mon propre style. C'est des trop les trucs. À quelle heure j'en faisais ça? Je crois que c'était au collège. En 6ème ou en 5ème, on faisait des trucs comme ça. Mais en fait, t'es en train de me prendre en snap. Je viens de me rendre compte. Je sais pas, l'autre jour. Genre demain. C'est vraiment une victime, lui. Hein. J'entends miauler, je me lève, je vois le chat se barrer là en courant. Donc je me dis, ouais. Je sais pas, il a eu peur, il a cru que j'allais l'engueuler. Et là, je me retourne et je vois mon chat et il me regarde comme ça. Genre, c'était pas lui, c'était un autre chat. Arrête de laisser rentrer les autres. C'est pas un moulin. Fatigue! Tu peux pas apprendre à ouvrir la fenêtre tout seul? Tu sautes, tu fais ça et hop! Putain, ils sont dépendants ces animaux, c'est fou! En vrai, comment ça va trop vite de se perdre dès que on est dans une relation? Enfin, pas forcément dans une relation en couple et tout, mais je sais pas, dès que il y a quelqu'un dans notre vie, genre, je trouve ça va beaucoup trop vite de se perdre soi-même. Et après, de penser qu'à la personne et tout. Limite, d'un côté, j'adore ça. Genre, j'adore tomber amoureuse. On dirait que c'est ma passion dans la vie. Genre, c'est mon sport et tout. J'adore tomber amoureuse. J'adore ces petits papillons dans le ventre et tout. Mais en vrai, enfin, je sais pas. Genre, je suis pas non plus hyper pressée que ça m'arrive. Parce que... Enfin, que ça me réarrive. Parce que... Genre, j'ai peur de ce moment où je vais faire... Ah. Genre, je vais fondre à l'intérieur. Et je sais pas. J'ai peur d'oublier moi-même, en fait. C'est vrai, c'est vraiment cette limite qui est super fine au final entre le fait d'aimer quelqu'un d'autre et de continuer de s'aimer soi-même. C'est court. Autant l'anglais ça passe. Enfin, genre je peux parler anglais tranquille. It's a good day to have a good day. Écoutez-moi ça. Voilà, fermé, oui. Isn't she lovely? Made from love. Do 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 do. Eh hey. Eh oh. Ça commence à résonner. Il est où? Je suis en manque de coca. J'ai plus de coca. Et pourquoi toujours je m'en rends compte à cette heure-là? Ouh, les abdos. Le filtre est parti en vacances. C'est comment là? J'avais pas mis de filtre? Ah. Attends. Il y en a plus. Arrête avec tes offrandes là. Tu crois qu'on est dans une tribu inca? Ramène ton lézard plus loin. Je sais que c'est... T'as voulu être gentil, c'est bien. Tu ramènes à manger à ta maman, mais je vais pas le manger. Alors dégage-moi ça. D'accord mon cœur? Je ne veux pas de ton putain de lézard. Et on joue pas avec la nourriture. Il va jouer avec lui d'une façon très sadique. J'ai fermé la porte parce que sinon, il va me le ramener dans la maison. Faut savoir qu'il m'a déjà ramené un serpent. Et toutes sortes de scarabées et insectes ou... trucs étranges qui traînent dans cette nature profonde. C'est pas censé marcher hyper vite, un lézard. Parce que là, le mec, il est genre kéblo, quoi. Mais en même temps, quand il est arrivé, il l'avait dans la gueule. Donc ça se trouve, il lui a écrasé des trucs ou...
Bah non, même pas, parce que genre... Ouh, j'aimerais pas être un lézard à cet instant précis. Ce chat est très sadique. Dexter. En fait, j'aurais dû l'appeler Dexter. Voilà, il va nous sortir une bâche. Oh mon Dieu, quel sauvage. Petite bête. C'est pas très beau, un lézard de près. Toujours en train de se plaindre, ce chat. Est-ce que c'est vraiment un lézard? Parce que je suis même pas certaine, en fait. J'ai un petit doute. Qu'est-ce qu'il prend? Ah, mais il l'a égorgé! Vous voyez le sang, là? T'es un criminel! Je vais devoir mettre un interdit au moins. Ceci est une vidéo ASMR. Oups. Bon allez, stop, on arrête. Mais c'était marrant quand même. Sûrement que ça a fait rire que moi, mais c'est le principal. Ah. En vrai, j'ai été gentille parce que je vous ai épargné le snap où on entend déguster la pâte et que je fais... Je sais que c'est populaire au Japon, aux États-Unis, les muck food, mukbang, je ne sais plus. Mais je pense qu'en France, on n'est pas encore prêt pour ça, donc... Voilà, je vous ai épargné. Avec plaisir. Pour ceux qui me connaissaient pas il y a 2 ans, vous allez sûrement penser que je suis en train de devenir timbrée. Mais je vous rassure tout de suite, je l'ai toujours été. Sauf ces 2 dernières années. Voilà, c'est tout. Allez, santé. Let's be honest. Une semaine, c'est long. Une semaine sans aria, c'est très long. Du coup, j'ai trouvé une solution alternative. Bonjour, Mister Pervers. Je t'ai dit que j'étais pas un pervers, d'accord? C'est pas parce que vous vous êtes rasé la moustache que vous allez me pigeonner. Le livre, où est-ce qu'il est? Je vous avoue qu'au début où j'avais commencé ma chaîne YouTube, genre, il y a toujours cette peur un petit peu, parce que genre, du jour au lendemain, on se retrouve à faire des choses qu'on n'a pas du tout l'habitude de faire, qu'on voit les autres faire et on peut se sentir un peu illégitime. Et puis une fois qu'on arrive à passer au-dessus de tout ça, et ben... tout nous semble un peu normal, sauf ce retour de personnes. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas dans la vie de tous les jours, en fait. Où... Et encore, peut-être dans quelques tafs, peut-être des fois, on a des clients qui sont genre reconnaissants ou quoi. Mais là, quand vous créez quelque chose par vous-même, peu importe le sujet, en fait, de votre chaîne YouTube, ça va être quelque chose qui vient de vous, vous donnez de votre personne, c'est vous qui êtes à l'écran, ou alors c'est votre voix ou quoi qu'est-ce. Quand vous donnez de votre personne et que vous avez même un infime nombre de gens...
qui vous le rend, même si c'est pas tous les jours, même si c'est pas toutes les semaines, d'avoir juste quelques commentaires comme ça de temps en temps, même s'ils sont adressés personnellement et qu'ils sont pas sur la chaîne en elle-même. C'est vraiment quelque chose de fort en vrai, et ça fait vraiment énormément de bien, et ça reste fou quand même. Et franchement, il n'y a pas besoin d'avoir 10 000 vues sous chaque vidéo, il n'y a pas besoin d'avoir 15 000 abonnés, juste un petit nombre d'abonnés qui vous suit assez régulièrement et qui regarde vos vidéos et qui, voilà, quand ils voient que vous en postez une nouvelle, clique dessus, vous écoute, même s'ils ne regardent pas la vidéo en entière, etc. Bah, juste ça, en fait, je sais pas, ça offre vraiment une sensation assez particulière. Et en tout cas, ça me fait vraiment énormément plaisir. Je suis vraiment très heureuse que les sujets que je propose vous intéressent et vous apportent quelque chose, surtout parce que c'est vraiment le but. Je pense, les réseaux sociaux, pour moi, ça sert à partager. Ça sert pas à se faire voir, à faire la belle et à faire genre. Ça sert à partager des choses utiles, des choses qui pourront aider les autres. Et c'est mon but, donc je suis ravie que ça vous plaise. Donc voilà, j'arrête. J'ai trébuché. Oui, t'as trébuché. Du thé de manière plus occasionnelle, en fait, parce que moi vraiment ça me sert plus du tout. Attends jusqu'à la fin du film. Une force qui surmonte les imbéciles de tous les cons. Je porterai tes idées sur le monde. Tu seras mon héroïne, vivant jusqu'à la fin du film. Une femme qui affronte et qui n'aura plus jamais honte. Je porterai tes idées sur le monde. J'ai réussi à la pamier, j'ai réussi à retirer de l'argent et je suis sauvée. Faut juste croiser les doigts pour que mercredi je reçoive bien ma carte quand même. Quand même. Ça fait 24 heures que je suis rentrée. Et je suis trop en manque de mon chat. D'habitude, genre, ça m'arrive de pas le voir pendant un petit moment, mais c'est des moments où je suis pas chez moi. Mais là, d'être chez moi et qu'il soit pas là, il me manque trop. C'est un truc de ouf. J'ai l'impression, genre, il s'est enfui et tout. Alors que non, il est tranquillement avec mon frère et tout, mais. Mais il manque trop. En vrai, plus tu t'avances dans la maladie, et plus t'es prêt à tout et n'importe quoi pour guérir. Genre, j'ai pris ça, j'en ai pris un autre à la carotte et je sais pas quoi. J'étais prête à manger du cresson nature tellement. Des gens qui ont des caractères qui j'aurais jamais pensé pouvoir être amis ou quoi que ce soit avec eux. Et pourtant, des gens qui pourtant me sont opposés et que j'ai pourtant beaucoup, beaucoup aimé. Et voilà. Même si je leur donnerai peut-être pas de nouvelles parce que je suis comme ça, et les gens qui me connaissent depuis longtemps le savent, je garde les gens dans mon cœur, mais je suis pas du genre à donner des nouvelles. Bref, en tout cas, ils seront toujours dans mon cœur comme je le dis, et le jour où je les reverrai, et ben, je serai hyper heureuse, et ce sera presque comme si on s'était pas quitté. Après, est-ce que je les reverrai ? Peut-être pas avant de très longues années, j'en sais rien du tout. Est-ce qu'on se reverra dans 6 mois, je sais pas, mais en tout cas voilà, j'ai aucun regret, ça pour dire ça. Et je pense que ces gens se reconnaîtront. S'ils se reconnaissent pas, ils sont vraiment débiles. Vraiment, vraiment, si vous vous reconnaissez pas, vous êtes débiles.
Mais voilà, j'ai eu très peu d'essentiels ici, de copines essentielles, d'amis que je me suis faites. Elles savent qui elles sont, elles savent que je les aime. Il y en a beaucoup qui m'ont déçue, mais il y en a aussi tellement qui m'ont surprise, tellement auxquelles je m'attachais peut-être un peu moins que d'autres, et qui pourtant m'ont prouvé leur amitié, leur loyauté, leur sincérité. Voilà, donc je vous oublierai pas et je mettrai des petites photos de vous chez moi pour pas vous oublier surtout. Et puis il y a les amis, il y a les copines, les copains et il y a les petits crushs. Moi je suis un cœur d'artichaut, hein, j'ai beau avoir été en couple pendant longtemps. Mon cœur il peut vite faire boum boum pendant un très court moment des fois, mais n'empêche qu'ils font souvent. Donc pareil, ces personnages se reconnaîtront peut-être. Mais je vous garderai dans mon cœur, je vous rassure, je suis pas amoureuse de vous les gars. Mais je vous ai aimé. Je vous aime encore d'une certaine façon. Et pour moi, ces crushs-là, ce sera toujours des beaux souvenirs en fait. C'est comme des amourettes de vacances, quoi. Des beaux souvenirs. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Est-ce que ça vous a gêné, moi, un petit peu? Bon, pour ceux qui sont gémeaux, vous le savez. On est méga indécis. Genre, vraiment, on se remet tout le temps en question, on remet tout le temps nos décisions en question. Même si devant les gens, on a tendance à faire genre les têtus, genre non, non, on sait qu'on a raison. Dans le fond, on se remet énormément en question. Et du coup, ben forcément, je remettais un petit peu en... Enfin, je me suis posé la question, est-ce que c'était vraiment une bonne idée? Est-ce que j'allais pas regretter de déménager, etc. Au final, j'aurais pu me dire, tu verras bien quand il sera, tu verras. Et là, je sais pas pourquoi, je me suis mis à réfléchir à ça. Parce que c'est vrai que tant que j'y serai pas, ça sert pas à grand-chose d'y réfléchir. Genre, je verrai quand j'y serai, quoi. Je me suis mis à réfléchir à ça et je me suis dit, j'adore le sud, vraiment, j'adore. Mais je sais que c'est le moment de monter, quoi. Je sais que c'est le moment de partir. Et je regrette pas. Je regrette pas du tout. Je regrette pas du tout. Je vais garder des bons souvenirs. Je vais essayer de garder que le meilleur. Désolée pour les autres. Ça, elle a dit, je t'avais pas reconnue parce que tu te maquilles plus de façon outrageante. Ça ne s'arrêtera jamais. Voilà, la tête. Mais ciao. C'est là. Elle a raté la sortie. Watashi wa 24 sai desu. Watashi wa Emily desu. Ça. Gomen. Kombawa minasan. Ça prend une heure pour faire sauter mon compte. Ça prend une heure et demie pour faire sauter un compte Snap. Pourquoi tu vas faire sauter mon compte? Parce que tu as mis un story. Non. 3. À l'image. Mais je n'ai pas mis un story. Baisse ta race. Bah, regarde. Arrête de snapper. Regarde dans ma story. Regarde ma story. Arrête de snapper. Je fais ce que je veux. Arrête de Pour celles qui ont aimé la robe, vous pouvez la retrouver dans une boutique à Pont-Sainte-Maxence qui s'appelle Au bonheur d'Emily. Hasard. Donc je vous mets le lien juste en dessous, vous pouvez swipe up. Voilà. Écoutez juste ce qu'il va dire. Des cours de self-défense. Les hommes, prenons des cours de self-control. Toi, pour que ces 27% de Français pensent que parce que tu vois de la peau, tu peux rentrer dedans. Je leur souhaite pas de se faire un jour violer pour qu'ils comprennent. Genre, j'espère juste que ces 27% de Français se fassent juste un jour cambrioler. Qu'ils aillent à la police et que le flic leur dise, on est rentré chez vous, sans votre invitation. Vous avez des fenêtres? Vous l'avez cherché? Thank you.
suis mise sur une série coréenne. Oui, parce que j'adore. C'est genre, pour ceux qui connaissent pas, qui n'ont jamais vu, c'est genre le paroxysme. Enfin, c'est le, ouais, le paroxysme du romantisme. Vraiment, c'est hyper, hyper romantique. Mais quand je dis romantique, c'est genre limite, c'est Disney un petit peu là-bas, quoi. Et là, le mec, il vient la voir et dit, je veux en connaître plus sur toi. Du coup, je me suis dit, ah, il va lui demander, je sais pas, de passer du temps avec elle et tout. Il a dit, couche avec moi. Comme ça. Et là, ils ont balancé la musique, genre, nanana, nanana, nanana. Comme si il lui avait fait une demande en mariage, quoi. Il a dit, couche avec moi. Genre, have sex with me, quoi. Tout est normal. Ma mère se lève toujours très tôt le matin. Et vu que là je suis allée au labo, je me suis dit, bah tiens, je vais l'appeler, je vais voir si elle est réveillée. Elle répond au téléphone et j'entends. Allô? Genre vénère de ouf. Et en fait, c'est avéré que c'est moi qui l'ai réveillée. Donc pour une fois que c'est moi qui la réveille et pas l'inverse, déjà c'est bien. Sauf que du coup, elle m'a raccroché au nez en me disant ta gueule. J'ai pété de rire dans ma voiture toute seule. Et du coup, je lui ai dit, si tu veux. Pour me faire pardonner, je te ramène les croissants. Je croyais qu'elle s'était rendormie. Non, non. Elle m'a dit ok. Du coup, je dois aller chercher les croissants. Voilà. Oui. €2,10. C'est parfait. Merci, madame. Pince, jonc. Non mais c'est pas légal ça. Maman ça vient d'un autre pays ça. Bon. Mais sur la caméra ça rend toujours plus petit mais en vrai non mais. Par contre moi je vais partir, je vais te laisser avec ça. Tu vas te débrouiller. Bah oui, pas grave. Allez, je vais chercher quelque chose. Tu vas chercher quoi? Tu vas pas la tuer tout de suite? Imagine à disparaître. Je vais chercher un morceau de sopalin. Hein. Je vais pas l'attraper à main quand même. Parce que tu comptes pas la tuer en plus? Bah si, je vais la buter. Ah, on va la buter. Ah ouais, une famille de sauvages. Est-ce qu'elle est encore là déjà? Ouais, mais. Ah, mais elle est vraiment pas belle. Il y a plein de pattes. En général, elles en ont 8. Elle doit voir ça. Je sais pas comment la tuer. Mais elle en a peut-être 12. Bah, franchement, là, je te dis, hein, tu prends ta claquette et tu tapes. Hein. Ah, il n'y a pas d'autre moyen. Ah, bah, prends ta claquette. Ah non, maman, moi je suis arachnophobe, elle a pondu des œufs dans mon mollet, oublie pas ça. Oh, il y a longtemps. Il y a longtemps, mais même, j'ai pas oublié, d'accord. Faut la choper. Là, faut pas la choper, là, faut pousser le meuble et bam. Ah, bah si je pousse le meuble, elle va se tirer, cette conne. Oh, imagine, elle va sous la baignoire. Ah, comment elle va vite. Elle s'est cachée sous la baignoire. Ouais. Puis, alors là, c'est foutu, plus jamais je mets un pied dans ta salle de bain. Oh bah maman, et ça se trouve elles sont 15 là-dessous. T'imagines comment elle est grosse? Ça doit faire 10 ans. Elle. C'est pas le fêter, c'est que j'ai pas envie qu'elle m'attaque tout court. Tu vois ce que j'ai? Alors après je t'emmène à l'hôpital, j'ai le permis. C'est pour ça que c'est mieux que ce soit toi qui te fasse piquer parce que moi je peux conduire après. Mais t'étais prêt là? Ouais, t'es mignonne. Je sais. Courage. Courage, courage, allez. Pas non. Je vais y arriver. Il did it. Il l'a mis dans le bocal et elle est contre la fenêtre.
Mais c'est un monstre transgénique, le bordel. Suffocating.